Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog à la maison, à la cool. Je suis rentrée hier de Paris, j'étais partie juste 2 jours, c'était hyper rapide. On est parti mardi, revenu mercredi parce que j'avais un shooting hier. Premier shooting photo, c'était trop bien. Je stresse un petit peu parce que c'est pas vraiment un exercice très habituel pour moi. Mais franchement c'était avec une marque que j'adore. Je peux rien vous communiquer encore parce que c'est hyper confidentiel, c'est pour l'année prochaine et hâte de voir les résultats. Ça. Et celui-là, c'est quoi, c'est un fard à joues? Oui. Et ça? Un blush. Et ça c'est quoi ça? Ça c'est un aileye. Le rose gold, il est joli. C'est sur toi, il te va mieux que moi. Bon, alors je vais le mettre, puisqu'il me va mieux qu'à toi. Elle cherchait un blush au ton chaud pour l'automne sur les mots de Mounette. Et en fait, elle a craqué sur celui-là, le Dior, que j'utilise tout le temps. C'est le numéro 459. Canon. Et du coup, on essaie de trouver d'autres alternatives qu'elle pourra avoir. Et j'ai dit, mais celui-là aussi, il est vachement joli. Je crois que tu l'as. Du coup, elle est allée voir et elle l'a. Voilà. La coquine, elle avait caché dans la petite tiroir. Vilaine. Celui-là aussi. Et voilà, et celui-là, c'est le Kiko. Je savais que tu l'avais, tu me dis non, je crois pas, mais si tu l'as. Elle est mes jambes juste sous sa tête. Le make-up, ça me tourne la tête. Là, ce que je vais faire, c'est me maquiller tranquillement, on va pas tarder à passer à la table. À midi, on mange raclette. Oh, oh là là. Aïe, aïe, aïe. J'ai la griffe dans mon doigt. Aïe, aïe. Donc, je disais, regardez-moi tout ça. Donc vous savez ce que ça veut dire, je vais sûrement faire un unboxing. Je vois qu'il y a des trucs Amazon que j'ai commandé. Ça c'est un trépied que je me suis acheté. J'ai décidé de vous poser là, voilà, la dernière fois vous êtes démaquillée avec moi. Cette fois-ci vous allez vous maquiller avec moi. Je vais utiliser ma nouvelle palette Pat McGrath que j'ai utilisée qu'une seule fois pour l'instant. Je croyais que t'étais malade. La fièvre, oui, qui monte, définitivement. Parce que j'ai pensé que je voulais la raconter. Le plus drôle, si toi, tu le racontes. Parce qu'elles savent que, depuis le début, je vous dis que c'est Zozo qui fait pipi sur le canapé. Et que ça fait des mois que ça dure. Et je vous ai dit dans la dernière vidéo qu'on avait acheté une caméra chez Action. Au passage, elle ne marche pas, on a dû la ramener. Parce qu'on voulait voir quand même qui faisait quoi. Parce qu'elle est sûre, sûre et certaine que c'était Zozo. Sauf que... changement de situation. Ça a été une soirée extrêmement difficile pour elle. Mais c'était tard, hein. Moi j'étais à l'ordi et j'entends Mounette, ma chérie, mais pourquoi tu fais ça? Et elle ouvre la porte et dit, limite avec les larmes aux yeux, tu ne verras jamais ce qui vient de se passer. Vas-y, raconte. C'est tout simple. En fait, j'étais gentiment et bien assise sur mon canapé, donc je regardais mon petit film du soir. Et donc Harry vient s'installer bien sûr à côté de moi, mon petit ange. Donc elle s'assoit à côté de moi. Je trouvais cette queue qui commençait un petit peu à se lever. J'ai dit tiens. Et puis elle bougeait, elle frétillait. Ouh. Et puis là, j'ai poussé un petit peu le coussin pour faire signe de la bouger un petit peu. Et là, oui, effectivement. Elle avait laissé son empreinte. Ouais. En fait, c'est pas marrant parce que. Non, parce mais t'as pris ça à côté, juste devant voilà, toi juste quoi. À côté de moi, mais alors devant toi quoi. Ouais. Aucune gêne là à la carrière. Ouais, non. C'est elle qui pisse depuis le début. Ouais. Alors je sais pas. Peut-être que. Peut-être que c'est Zozo quand même. Hein. Tu me tues avec ça. C'est relié à Zozo, c'est sûr, parce qu'elle le fait depuis que Zoé est arrivée. Harry, elle est fusionnelle avec maman. Elle est très proche de maman. Ouais, c'est comme les deux autres. C'est comme nous deux et moi et Bella en fait. Mais Carrie, elle, c'est maman. Elle la suit partout, partout, partout. Du coup, on se demande si c'est pas une question de territoire ou d'appartenance. Parce que maman est souvent sur le canapé. C'est vrai, elle est quand même souvent sur le canapé. Tout le soir, tous les soirs, t'es avec elle sur le canapé, machin. Donc ça peut tomber sur le sens, tu vois. Moi, je pense qu'elle le fait par rapport à toi. Ça, et c'est depuis que Zoé est arrivée. Parce que même si elles s'adorent toutes les deux, c'est ça qui est bizarre. Parce que tu vois, elle a quand même vécu un an toute seule avec Bella. Elle n'a jamais fait ça. Là, ça t'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur parce que je pensais pas que c'était carré, quoi. Et j'ai encore du mal à le croire. Voilà, elle a eu de la rage devant les yeux. Je cherche encore le petit truc qui peut faire. La situation peut encore tourner dans le sens de Carrie. On a quand même vachement culpabilisé parce que c'était Zoé. Zoé, elle est allée chez le veto. Alors que c'est pas elle. Franchement, vous imaginez la culpabilité. La culpabilité, mais ouais, en plus, elle est hyper mignonne. Elle obéit, elle rentre toute seule. Parce que Carrie. Carrie, c'est la vraie... C'est la vagabonde, la rebelle. Mais seulement après, il faut se la rechercher parce qu'elle est incapable de revenir. Enfin, bref, voilà, nous en sommes là. Oui. Sachez que la situation a été éclaircie. À moitié. Je vais quand même chercher encore... Tim.
regarde. Oui, je voulais un rose. Il est simple, il mais est très joli. Je voulais du rose. J'ai passé une commande sur Amazon, je dirai après. Je vous montrerai après. Non, je leur parle. À qui? À qui? Aux copines. Aux copines. Et jusque-là, c'est très joli. Jusque-là, ça va. Ah, ouais, je et toi aussi? Ah ben, je sais pas. Ben si, t'as la veste guest aussi. Mimi aussi, je lui ai pris un haut Levi's. Ah ben c'est ça, pour Hugo. Il est trop chouette, regarde. Ah ben il va aimer, ouais. Moi je vais bien aimer en avoir un, comme ça. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Je ne sais pas, je Je te dis tout le temps. Regarde, celui-là je vais bien aimer. Mais oui, mais plus tu me dis ça, plus ça me fait culpabiliser en plus. Il est beau celui-là. Bah oui, il est vachement beau. Celui-là je vais aimer. La couleur elle est... Ouais ben ouais. En plus, tu vois la qualité. T'as vu à l'intérieur? Bah oui. Il est doublé et tout. Bah oui. Je rentre pas dans ta tête. Hein. Mais tu devrais. Oh, j'y arriverai pas. Il y a trop de choses. Oui. Le problème, c'est que XS, après, ça va être trop près du corps. Bah oui, mais il faut. Ça, c'est fait pour être du corps. Hein. Oui, mais occupe-toi de ton corps. Je m'occupe du mien. Je sais pas quand c'est trop moulant. Oh, elles sont jolies. Bah, elles sont jolies. Ouais. Moi j'en rêve les blanches. Tu prends tout fait. Oui, je peux mettre les écharpes moi dedans les deux pieds. C'est joli avec les chaussons à côté. Et ben voilà. Toi qui voulais des bottes blanches. Ça y est, c'est. Non mais je vais pas être malade, j'ai juste un petit coup de froid. J'espère. Je dis que j'étais la plus costaud ici. Tout le monde est malade sauf moi. Il suffit que je dise ça pour que ça me semble dessus. Ah, c'est Nintendo. Hugo, il va être trop content. Oh mon dieu. Ça, mais je suis trop contente. Je pensais pas du tout que ça arriverait aujourd'hui. Donc ça tombe trop bien parce que c'est génial ce qu'ils m'ont proposé pour vous. Et ça, c'est pour Boulette. Le petit sac Oreo. Le petit sac de Boulette. Quand on s'en va en déplacement, je te mets ça derrière. La combi pour Mimi. Oh mon dieu. Ah, non, c'est génial. C'est Undies qui fait ça. C'est une collab avec Nintendo et Undies. D'accord, regarde. Oh mon dieu, vous avez... il y a la casquette Mario. Il va être fou quand il va voir ça. Oh, c'est trop bien. Mais en fait, c'est pour la sortie du nouveau Super Mario Party sur Switch. Et oh mon dieu, on y joue depuis super longtemps. Et là, ils m'ont envoyé le nouveau jeu. Et je vais pouvoir vous en faire gagner. Et bien plus que ça. Enfin, je vais tout vous expliquer à tête reposée après. Je vais définitivement pas réussir à me maquiller, mais ça tombe bien. Il y a DHL qui vient de passer, je sais que c'est la palette Huda Beauty. Allez, t'y es presque, t'y es presque. Là, on y est. Ouh, là là. Avec tes doigts délicats. Il pousse mes ongles. Il pousse, il pousse. Justement. Oh, elle est belle. Attends, attends, tu vas trop vite, mon dieu. Regardez-moi ça. J'ai jamais vu des fards comme ça. Regardez, en fait, c'est des chunks de paillettes. Elle innove vachement en matière de palettes. T'as des textures qu'on voit pas ailleurs. Voilà, donc vous voyez, les deux du milieu dont je vous parlais sont des paillettes pressées. Celle-ci, c'est une base correctrice, genre un concealer crème, qui apparemment fait ressortir les autres textures un petit peu particulières. Donc, écoutez, je vais tester. Ensuite, en termes de texture, il y a des multi-reflective pearls. Donc, ce sont des métalliques haute couvrance avec beaucoup de reflets. Et des chunks de pigments pailletés. Et ensuite, on a des mattes. Les couleurs sont magnifiques. Hein. Et voilà, c'est un clap de fin. Je viens de boucler l'objectif. Après une vidéo, ça ressemble à ça. Ça va. Vous avez toujours ma plus fidèle supportrice sur le côté, au premier rang. Comme vous voyez, j'ai filmé entre-temps. Il est 18h40 et tout s'est accumulé. Du coup, je me suis dit que j'allais me poser un petit peu, vous montrer si vous voulez en détail parce que Mounette étant Mounette, elle s'est jetée dessus. On a pu avoir quelques aperçus, mais je peux vous montrer quand même. Je vais peut-être commencer par Nintendo, vu que c'est quand même vraiment vraiment très cool. Étant de grands fans de Mario ici dans cette maison, on adore tous les jeux Mario, franchement. Moi j'ai baigné dedans, j'ai grandi dedans, Hugo n'en parle même pas, c'est sa vie. Et Mario Party, c'est notre truc à tous les deux. Franchement j'adore ce jeu. On a le Mario Party classique avec Hugo, mais sur la Wii. Alors, c'est plus marrant à deux, malheureusement Hugo il est pas là, parce que vous savez, il fait ses classes. J'ai eu la gentillesse de m'envoyer également la Switch qui est juste là. Donc juste vraiment trop contente parce que c'est une console qui est trop pratique. Vous voyez, je vais vous faire un petit unboxing après pour vous montrer. Parce que vous pouvez y jouer tout seul comme à plusieurs et ça c'est l'avantage. Et en même temps, vous pouvez l'amener absolument partout. Bah, juste avant de montrer à quoi elle ressemble, ils m'ont pas juste envoyé ça. Ils m'ont proposé de vous faire gagner la même chose sur Instagram. Donc j'étais juste trop contente. Je trouve que c'est un lot mais qui est canon. J'ai plusieurs fois
qui me propose de vous faire gagner à chaque fois un très joli lot. La fois d'avant, c'était une 3DS pour la sortie de la maison du style. Ça se fera sur Instagram, donc ça va pas tarder. Restez connectés parce que franchement, ça va être un joli concours. Jolie console, joli concours. Voilà, et en fait, vous avez deux possibilités. Je sais pas si vous connaissez un peu la Switch. Soit vous pouvez jouer sur votre télé, soit vous raccordez deux manettes en fait sur le côté et vous y jouez directement puisque l'écran, vous voyez, est assez grand. Ou alors vous enlevez les manettes sur le côté et vous les mettez directement dans celle-ci et ça vous fait une seule et vraie manette entre guillemets. Vous avez également l'appareil également pour la Switch. Vous voyez, là j'enlève les manettes et c'est parti. J'aurais trop aimé avoir Hugo là, il aurait été trop content. J'ai déjà m'entraîné comme ça, je serai plus forte que lui quand il arrivera. Ah, la mauvaise. Non mais franchement, je suis trop contente vraiment. Un grand merci Nintendo pour ce très 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 beau cadeau et tellement heureuse de pouvoir vous en faire profiter aussi. C'est clairement Noël avant l'heure quoi, vraiment merci infiniment. Mais oui, la soupe qui est prête pour un petit haul. La nuit commence à tomber mais bon, ça va, on voit encore. Comme vous l'avez vu, c'est que des trucs qui viennent d'Amazon puisque j'avais un bon d'achat. On va y arriver, j'ai plus beaucoup de batterie mais bon, j'en ai une autre. Elle est juste là, quand elle va décéder, on en a une autre. Donc le premier truc que je m'étais pris, c'est un pull de la marque Only. Et en fait, j'ai craqué sur la couleur, une espèce de vert sapin, un peu foncé. Et en fait, c'est légèrement resserré au bout, au niveau des poignets. Et après, voilà, col normal, coupe tout à fait normale. Mais je trouve que cette couleur, je trouve ça très 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 joli. Ma batterie a lâché au final. Je disais, je ne l'ai pas pris en XS parce que j'avais peur que ça moule trop. Mais j'ai quand même peur qu'il soit grand. En fait... c'est la marque, ah oui, Morgan. Et en fait, vous voyez, il est tout transparence en haut. Et après, en fait, c'est du velours effet bustier comme ça. Et ça, par contre, je vais le renvoyer parce que pour le coup, c'était joli. Enfin, c'est joli en vrai, c'est juste que les manches sont extrêmement évasées, extrêmement larges. Et moi, en fait, ça va me déranger. Toi, avec le fauteuil, j'aime pas trop trop. Sinon, c'est dommage parce qu'en qualité, franchement, vous savez, il y a vachement d'élastane, il est super élastique, agréable, enfin la couleur est jolie, il est très basique, mais c'est juste les manches qui, pour le coup, c'était son point fort et ça devient son point faible avec moi. C'est arrivé avec le cintre, c'est la première fois que je vois ça. C'est du coup la marque Naf Naf, comme vous le voyez, et je le trouve trop joli celui-ci. Les tailles du col comme ça, je trouve ça super joli, tout en dentelle. L'avantage, c'est que vous avez déjà le petit top en fait qui est dessous pour éviter qu'on voit tout, n'est-ce pas? Il est resserré au niveau du poignet, toujours. Vous allez voir que tous les hauts noirs que j'ai pris, il y a genre de la dentelle ou de la transparence un petit peu. Parce que je trouve que c'est le détail qui fait la différence. Alors celui-là, par contre, je crois que c'est mon truc préféré, je trouve. Ça me fait penser à un haut que j'avais acheté. Je suis sûre que vous en souvenez, parce que j'ai eu que des compliments à chaque fois que je le portais. J'avais acheté sur ASOS l'année dernière. Et c'est exactement le même style en velours comme ça. Mais d'une couleur vert émeraude. Et franchement, celui-ci, il avait fait un carton. J'étais trop contente. Et là, c'est exactement le même principe. Pète en caméra. En vrai, il pète pas autant, je comprends pas. Mais la lumière, elle change là. Je vous jure qu'en vrai, ça pète pas autant. Mais vu que je suis quasiment dans la nuit, ça fait beaucoup, beaucoup ressortir les couleurs. Mais quoi qu'il en soit, bah, c'est en velours. Une couleur un petit peu moutarde. Et en fait, il est resserré sur le dessus. Vous savez, c'est un petit peu élastique. Ça, je me suis pris un petit haut noir tout simple de chez Pinky. Pareil, je vous ai dit, il y aura toujours un petit détail. Vous voyez, vous avez une petite bordure tout en dentelle comme ça. Et en fait, c'est en col V. Il est pas très épais, hein. Il est assez léger, mais j'aime ça. Celui-là, je crois que c'est aussi mon préféré avec celui en velours. Je trouve trop joli. J'ai failli me changer pour le mettre. C'est la marque Guess qui fait ça. Et pareil, vous avez cet effet transparent avec des petits pois. En volant un petit peu doublé, il est pas très très long, vous voyez. Les manches sont transparentes aussi. Magnifique et de qualité, il est incroyable. Côté couleur, je me suis pris un petit pull assez léger, mais juste, j'adore la couleur. Là, c'est Dorothy Perkins. Je vous dis les marques à chaque fois, mais je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. C'est une marque que j'avais connue en Angleterre, en fait, quand j'allais à Londres et qui ont des trucs assez sympas. Plus classiques, mais sympas. Et là, en fait, c'est juste la couleur, parce que moi, j'aime bien le rose un petit peu fuchsia. Étant brune, je trouve que ça ressort bien avec du jean. Vous avez des petits effets de volant comme ça sur les côtés. Ah oui, il y a celui-là aussi. Ah, j'adore celui-là. Ah, Dorothy Perkins aussi. Je me souvenais plus du tout. Beau pull, effet léopard tout doux. Mais ça fait un petit peu pelucheux, mais très très doux. En V cette fois-ci. Comme ça, magnifique. Voilà. Le haut à Hugo que j'y ai pris, le haut Levi's. Vous avez vu les chaussures de Mounette. Vous avez vu sa veste. Que je me suis pris aussi, mais je vous avoue que elle est jolie, mais je trouve que la chaîne fait pas aussi qualitatif que son prix. Autant le Top Guess est magnifique de qualité, autant celui-là, je vous avoue que... Ils en font... Moi, je suis contente. Oui, toi, tu l'aimes bien.
Mais moi, je, c'est pas que j'aime bien, mais... Mais je l'aurais pas acheté. Ah mais non, moi aussi, j'aurais bien. En vrai, si je l'aurais pas acheté, t'es d'accord. Enfin, je l'aurais acheté, mais pas ce prix. Voilà, parce qu'elle est belle, mais la chaîne, elle est pas super quali, elle est pas très lourde. La maille est belle, c'est la chaîne, mais bon, c'est un peu la pièce principale, j'ai envie de vous dire. C'est pas celle que je vous recommande le plus, honnêtement. Et le dernier truc, c'est ces petites bottes, toujours effet léopard, n'est-ce pas? Elles s'ouvrent à l'arrière, ce sont des new looks cette fois-ci. Et écoutez, je les ai pas essayées non plus encore, mais ça y est. Lampadaire jaune hideux qui s'est allumé en face. Heureusement que c'est la fin du haul. Mais globalement, par contre, les chaussures, j'adore. Je les trouve très jolies. J'en avais vu à Zara, mais d'une part, elles étaient hyper chères. De deux, il n'y avait pas ma taille. Et de trois, je trouvais que le bout était un peu trop pointu. De quatre, celles-ci correspondent un petit peu mieux. Bon, les choupettes, je suis là pour vous clôturer le vlog. Il est beaucoup plus tard, 20h39. Et comme vous voyez, j'édite ma vidéo de samedi. Honnêtement, je ne vais pas montrer devant ma caméra parce que déjà, j'ai les yeux explosés. Et je crois que je couvre un truc, j'ai super mal à la gorge. Donc, je ne vais pas m'éterniser. J'espère quand même que vous aurez passé un bon petit moment sur ce vlog. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis... la semaine prochaine.